Salut tout le monde, c'est Sosinus pour une nouvelle vidéo sur Portalis. C'est un remake de Portal, mais sur téléphone. Alors, je commence tout de suite. Hein. Alors, je n'ai pas joué au jeu. Donc vraiment là, je sais pas... Ah, c'est comme le jeu, hein, sauf qu'il y a un peu de différence. Wake up... Il n'y a pas de son par contre, il n'y a personne qui parle. Je sais même pas s'il y a une histoire ou pas. Alors, on peut se déplacer. La main, on peut appuyer, je suppose. Hop, activate. Ah, donc ça active un portail. Je suppose on passe dedans. À quoi ça sert le bouton? Ah, ça ralentit le temps. Ok, bon, tout ça. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Qu'est-ce qu'on fait là? Tap on squeeze to jump. Ok, on saute en tapant sur l'écran. Switcher au cube, on va prendre un cube, mais on n'a pas le portal gun. Hein. Bah, le portal gun, j'appelle ça le portail, mais ça doit pas être la même chose. Fait comment? Il doit avoir le portal là. Pas sauter là. Non, bah on peut le prendre alors. Ouais, on peut le prendre. Faut rester. Non, faut pas rester appuyé. Que je peux se sert pour sauter, c'est ça? Ok. Hop. On s'habitue très vite au jeu par contre. Ça c'est cool. Ah, faut activer le bouton. Ah, je pense qu'il va falloir activer le bouton avec le cube. Et c'est comme dans Portal. C'est assez cool. Ouais, nickel. Et on le met sur. Hop, et voilà. D'ailleurs, je me demande à quel niveau on va avoir le Portal Gun. Parce que pour l'instant on l'a pas, c'est que on fait que ça à la main avec des boutons. Oula, qu'est-ce que ce truc on va appuyer ici, ça fait quoi? Ah. Ça fait, ah, ça ouvre un portail. Ah, et du coup on a un cube, je suppose qu'il faudra appuyer dessus après. Ah, et ça change. Et là, on a un deuxième cube. Nickel. Après, si on appuie encore une fois, ça va où? Ah, ça va. Je sais pas où ça va, mais en tout cas, ça va un truc. Ah, d'accord, ça va juste là. On va mettre ça ici. Et l'autre cube, on va le mettre. Ça, les premiers niveaux, ils sont faciles. Hop, et ça, on va le mettre sur l'autre. Je suppose que ça ouvre un truc. La porte qui est là-bas, là. Comment on y fait pour y accéder? Ah non, ça ou celle-là, je suis bête. Je suis bête. Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. Hop. Alors, troisième salle, là. Un érudit portal gun. Ah, bah, je crois. Ah, c'est ça le portail? Et toi, il est cassé. Hein. Ce truc, le portal? Ah ouais. Ah, c'est comme dans portal gun. Je suppose, du coup, il nous faut mettre un portail là. Ah, j'adore ça. Vraiment, c'est un jeu extrêmement cool. Hop. Là, ça a posé un cube. Ouais, nickel. On fait quoi avec ce cube maintenant? Faut peut-être monter. Non, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cube? Qu'est-ce qu'on a ici là? Je suppose que c'est... Ah, on a un truc. Vous savez quoi, si on saute ici avec le cube? Attends, normalement, il y a... C'est comme dans Portal. Ah, merde. Ouais, c'est comme dans Portal. On a la vitesse qu'on a, elle change pas. Bon. Hop, on fait ça comme ça. Ça, on en fait quoi du cube? Ça, j'ai pas compris. On va essayer d'aller là-haut. Hop. Attends, faut prendre le cube, je suppose. Non, on fait quoi? Switch, contrôle, portail, activation. Net to ups, switch, put on. Quoi? J'ai rien compris. Non, on switch pas du tout, hein. C'est quoi ce bordel? Je ne comprends rien. Attends. C'est que ce bordel.
va aller ici. Est-ce qu'on peut appuyer sur le levier? Non, ça fait rien. Je suppose qu'il faut, du coup, faut mettre. C'est bien le prendre. Voilà. Maintenant, il m'a dit qu'on pouvait switcher de portail. Comment ça, switcher? Comment on fait pour switcher de portail alors? Non. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pour zoomer. Oui, comme dans Portal. Là, c'est activé. Ah, là, on a un truc là. Attends, si on enlève le cube, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait rien du tout. C'est nul. Attends, bon, du coup, on va prendre le cube et on va le mettre sur le truc bouton là. Il y a un bouton là-bas. Je sais pas si c'est un bouton ou un levier. Hop. Voilà. Et là, maintenant, du coup. Oh, on a un truc ici. Oh. Un truc ici, là. Ah, je pense qu'il va falloir sauter, mais le problème, c'est qu'on peut pas switcher. C'est bon, c'est du verre. C'est toujours du verre, là, qu'on va tirer. Ah, attends, je crois que j'ai compris. Ouais, je crois que j'ai compris. Donc, on va mettre un portail là. Je crois que j'ai compris. Hop, en fait, j'avais pas vu. Mais ça. En fait, quand on appuie ici, ça doit ouvrir un portail. Mais non, ça fait pas. Alors. Ou alors, faut que je transforme. Là, je comprends pas, là. Donc on va ici. On va prendre le cube. Non, on va mettre un portail là. Prendre le cube. Et l'activer, non? Et du coup ça va mettre un portail. Non. Ça change pas les deux portails, non? Quand on fait ça? Bon, là, je sais pas du tout comment on s'y prend là. Oh, doucement. Parce que là, vraiment. Ou alors, quand il y a. S'il n'y a pas de portail. J'en ai aucune idée. Surtout, on a un seul cube, non? On n'a pas deux des cubes. Attends, comment j'avais fait? J'étais allé là. Si. J'en prends un. Si, on en a deux des cubes? Attends, non. Non, je crois que l'autre, il a été supprimé du coup. Voilà, l'autre il a été supprimé. Ok, on va en prendre qu'un. Là je suis un peu bloqué. Non, là. Je ne comprends pas tout. Donc là, normalement. Normalement, la logique veut que si je pose ce truc ici, ben, ces deux portails s'inversent. Mais ça ne marche pas, non. Alors, je sais pas pourquoi. Fait, c'est un peu chiant qu'on puisse poser que le portail vert et pas le portail rouge. Parce que du coup, hein, on est bloqué. Ou alors, faut appuyer. Ah, mais voilà, fallait juste appuyer. Ah, mais oui. Bah voilà. Donc là, du coup, on va mettre un portail ici. Est-ce qu'il y a un portail? Non. Bah, d'abord, hop, on met un portail là. Et on saute dans ce portail. Oula, oula, oula. Oula, oula. Qu'est-ce que ça fait là? What? Ok, bon, bah, en route, j'ai perdu mon cube. Mon cube, il est où, mon cube? Bon, c'est pas grave, on va en faire spawner un. Sinon, on va essayer de pas faire la même erreur et on va pas sauter. Hop, on va juste sauter. Il est où, cube?
Tiens, toi, tu restes ici, toi. Hop! Donc, maintenant que ça c'est comme ça. Non! Putain! Bon! Mais non, j'avais presque réussi! Oh putain! Au moins, on sait comment on fait maintenant. Super! Bon! Là, j'avais réussi en plus. Du coup, on va récupérer le portail gun. Ok, nickel. Pas sprinter d'ailleurs. Hop, on va aller ici. Hop, on va activer ça. Ça va faire poser un cube. Et il nous faudra mettre un portail là-bas. Non. Là-bas, voilà. Prends le cube. Hop, on le pose. Ici. Là. Non, faut que je repasse dans le portail qui est là. Ici. Pour maintenant mettre un portail là. Ou alors il s'activera tout seul, je sais pas. Hop, donc là, voilà, je switch. Donc maintenant, je peux mettre ça là. Je récupère mon cube. Je vais de manière très doucement ici. Je pose mon cube. Je tombe pas dans le ravin. Pas dans le truc toxique là. Voilà, je mets un portail là. Je vais ici. Et là, je saute. Non, mais non, fallait sauter plus haut. Ça m'énerve. Bon, je vais faire une petite coupure et. Et on va revenir au endroit où on était avant. À tout de suite. Ok, alors là, normalement, ça devrait marcher. Bah, j'espère en tout cas, parce que sinon. Allez, allez, allez. Yes! Enfin! Et j'ai galéré sur cette étape. Hein. Un petit test chamber. Le autre champ, on va tester. Ah! Putain, on a galéré sur celui-là. Je vous dis pas. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a un autre portal? Ah, donc, yes, maintenant on va pouvoir faire le rouge et le vert. Ah, ça c'est cool par contre. Hop. Hop, on va activer ça. Ça fait reposer un cube, je suppose. Pourquoi t'avais pas posé de cube là? Tu te fous de ma gueule? Ça va où? Ah non, c'est pas ça qui fait poser un cube, c'est un bouton là. Je fais comment pour accéder au bouton? Il doit avoir un nom. Ah voilà. Hop. Du coup, là, je fais ça. J'active le bouton. Hop, je prends le cube. Et maintenant, je mets un portail vert ici. Celui-là, je le pose là. Et c'est tout. Ça me paraît un peu louche. Je mets un portail rouge là et je passe. Facile celui-là, ça passe. Ah, on a deux chambres dans une. Il n'y a pas de temps de chargement cette fois. Il y a quoi là? Rien du tout. Ah ouais, je vois ce qu'il faut faire. Hop. Hop. Yes. Facile. Don't forget gravity is your friend. Est-ce qu'on aura des tourelles d'ailleurs? Je me demande s'il y aura des tourelles dans le jeu. Ah. Ah, comment on fait là? Non. Pas ça, si c'est peut-être ça, mais en tout cas, faut qu'on soit comment on pourrait faire pour que j'aille là-bas. Ah, c'est encore technique ça.
On peut pas mettre de portail là-dessus. Non, c'est juste des lampes. Là, par contre, je vois pas trop comment faire. Ouais, non, ça fait ça. Sauf si on met un portail là, mais là. Si, je parie, si on arrive à. Bon, bref. Là, vraiment, là, je sais pas quoi faire. Comment on pourrait arriver là? Déjà, je sais pas ce que bah, le machin qui nous dit, qui nous parle là, il nous dit qu'il faut utiliser la gravité. Mais attends. Regardez sur le portal gun. Le portal gun, oui, je l'appelle comme ça. Regarde, on a des espèces de petites. Des petites flèches, et dès qu'on met un portail, et bah il. Oh, on a trouvé quelque chose. Hein. Et bah en fait, dès qu'on pose un portail, et bah les flèches, la flèche, si c'est un portail vert ou rouge, et bah elle bouge. C'est assez stylé hein, les détails qu'ils ont fait quand même. Pêche. Par contre, là je suis bloqué. Pas mettre de portail à la gravité. Je suppose du coup il faut utiliser ça. Le problème c'est qu'il faudrait un portail ici pour que ça marche. Parce que là on va être propulsé là-bas. On peut toujours essayer. Ah, j'ai peut-être une idée. Attends, j'essaie de réfléchir. Ah mais oui, on a ce truc qui ralentit le temps là. Il ralentit bien le temps, hein. C'est vrai, j'avais complètement zappé. Je pense que si on utilise ça, par contre c'est un peu long, pour sauter ici, et que tout de suite là après, on met un portail ici. Hop, là voilà, on est dans une boucle infinie. Le problème c'est que ça ne sert pas à nous arranger. Pas nous arranger beaucoup tout ça. Bon. Ah, embêtant tout ça. Comment on peut faire? Là par contre, je suis un peu. S'il y aurait un portail là, ou qu'on puisse poser un portail là, d'accord, mais là on peut pas faire grand chose quoi. Ou alors faudrait. Ah, j'ai peut-être une solution. Hop, si on met un portail. On va mettre un portail ici. Et hop, on va mettre un portail rouge là. D'ailleurs, c'est plus jaune et bleu, le portail, c'est maintenant c'est rouge et vert. Bon. Là. Là, si on fait. Si on met un portail rouge ici. Normalement, on serait poussé. Ah, j'ai peut-être une. Bon, par contre, là, on est dessus. Faudrait en fait. On va pousser. Faudrait. Bon, non, là je sais pas. Ah, sauf si on fait un truc genre comme ça. On met un portail vers ici. Hop. Du coup, dès qu'on passerait dans le portail vert. Ah, attends. Dès qu'on passerait dans le portail vert. Faudrait qu'on soit projeté. Non, c'est l'inverse. Du coup, faut mettre un portail rouge ici. On peut pas mettre de portail dans le portail, c'est plutôt logique. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, c'est bon, je suis bloqué. Ok. Bon. Faudrait en fait qu'on passe dans un portail. Qu'on saute là-dedans. Ah bon, on va mettre un portail là. Voilà, on va mettre un
Portail. Oh. Par contre, hop, voilà, hop, déjà il y a un portail. On va mettre un portail là. Et un portail vert ici. Non. Ici. D'abord, il faut en mettre un là-haut, portail vert. Et après, je crois que j'ai compris. Faut mettre un portail ici pour qu'en fait, quand on puisse atterrir, hop, on saute. Et yes! On a réussi là? Attends. Non, on n'a pas réussi. Pourquoi on n'a pas réussi? Normalement, ça devrait marcher, non? On va mettre ça le temps ralenti, on va essayer de refaire. C'est bien. Pourquoi je peux plus mettre deux portails verts? Voilà. Essayer de recommencer. Alors on va mettre autant. Là on passe ici. Normalement, la gravité. C'est bizarre. Là, mon cerveau, il chauffe un petit peu. Vraiment. Là, je sais pas du tout comment faire. Normalement, si on passe là, on devrait arriver ici et sauter là. Et là, non, ça n'a pas l'air de marcher. On va sauter. C'est grave stylé, n'empêche qu'on peut mettre au ralenti. Il n'y a pas ça dans. Là, normalement. Ah, je crois que je sais. Le portail doit être. Non. Hop. Comme ça. Et là, normalement, ça devrait marcher. Ça, je crois que ça s'appelle une grille d'épancipation. Je crois que c'est un truc comme ça. Après, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me trompe. Normalement, là, ça devrait marcher. On va essayer de bien positionner. Yes, ça a l'air de marcher. Non! Presque. Faut que je rapproche un petit peu. Hop. On y est presque. On a presque fini. Je pense qu'après, on s'arrête là. Parce que sinon, ça va être beaucoup. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai un deuxième épisode. Sauf si vraiment ça vous plaît pas. Mais je pense pas quand même. Parce que c'est assez cool. Plus ça, c'est bien dans l'univers de Portail. Non, non, non. Mais je suis fail. Ah, il veut pas qu'on finisse, hein. Ce niveau-là. Hop. Vraiment pas qu'on finisse. Ah mince, attends, je crois que je me suis trompé pour le portail rouge. Faut que je me mette comme ça, sinon ça va me mettre dans l'autre sens. Voilà, nickel. Là, normalement, ça devrait marcher. Allez, on prie. Ah, j'ai pas sauté, donc je sais pas si ça fera un truc. Non, j'ai pas sauté, donc ça va rien faire, ouais, voilà. J'ai oublié de sauter. Pff, voilà, faut recommencer, ça me saoule. Ah, bon, on recommence. Nickel. Hop. Là, j'ai bien sauté. Là. Ah, ouais. Nickel, enfin. Ah, et bah, purée. Était dur celui-là. Bon voilà, on va s'arrêter ici pour l'instant. J'espère que ce jeu vous a plu. En tout cas, moi, j'adore ça. J'adore le Portal et un remake de Portal sur téléphone. C'est vraiment super cool. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.